Hello les iconos, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo What's on my iPhone. Mon iPhone c'est un iPhone 8 Plus comme vous le savez et là j'ai une coque de chez Purga que je kiffe mais trop. C'est un motif léopard comme ça c'est trop joli. Oh, trop belle et depuis que je l'ai reçu je l'ai tout le temps sur mon téléphone. J'en ai eu deux et pour vous si vous voulez j'ai un code promo de 15% avec le code CHLOÉ15 que je vous mettrai ici jusqu'au 30 juin je pense. Trop beau c'est que ça arrive dans une boîte comme ça. Elle est trop belle quoi. L'autre c'est avec un loup parce que ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les loups et que je m'appelle Dust of Wolfie sur Instagram. Donc je trouve que c'était un bon rappel et je la trouve juste magnifique en fait. Trop belle. Et donc voilà, j'ai deux coques. Moi j'ai payé, je pense qu'elles sont environ de 20€ moins 15%, donc c'est vraiment pas mal. Il y a plusieurs modèles. Ah oui, je voulais aussi vous montrer parce que j'avais commandé des coques, mais avec mon intelligence, je m'étais trompée de téléphone, donc j'avais mis pour un Samsung, je sais pas quoi. Le truc du coup j'avais commandé comme ça, vous pouvez un peu voir les motifs. J'avais commandé celle comme ça, qui est aussi trop belle. Je suis dégoûtée que je me suis trompée de coque de téléphone. Et alors l'autre, c'est une comme ça que je trouve aussi trop belle. Il y a plusieurs choix, plusieurs couleurs, plusieurs motifs. Il y a des motifs orientaux, il y a des motifs un peu plus militaires, etc. Vous avez de tout sur ce site et je trouve ça vraiment trop cool. Après, vous pouvez les trouver sur Instagram. Et comme je vous ai dit, n'oubliez pas les 15% parce que moi j'adore ces coques et je les trouve trop belles. Donc, yes. On va commencer tout de suite avec le What's on my iPhone. Alors ici, vous pouvez voir mon fond d'écran. C'est un fond d'écran basique blanc avec des palmiers parce que ça me fait penser à l'été. Alors ici, vous pouvez voir que j'ai toutes les applications basiques. Et le calendrier, musique, notes, photos, rappels, Safari, santé. Puis après, j'ai Pinterest. C'est une application que je kiffe beaucoup et où je mets beaucoup de mon inspiration, que ce soit pour les ongles, pour les accessoires, pour la mode, pour le make-up. Surtout pour la mode, regardez, j'adore ça. Par exemple, vous avez plusieurs styles, donc classé chic, sweater weather, ça c'est mon truc préféré. C'est là où je mets toutes mes idées de tenues. Je trouve trop stylé. Bref, si vous voulez me suivre, comme d'hab, c'est le même utilisateur, c'est BC Icon C, je pense. Ensuite, appareil photo, horloge, Netflix, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Météo, App Store, mon ULB, Facebook. Ensuite, j'ai WhatsApp, téléphone, FaceTime. Ça c'est pour voir combien il reste d'argent sur mon compte. Ensuite ici, c'est avec ça que j'édite mes photos donc, ou mes vidéos. Par exemple ici iMovie, Picollage, là c'est pour faire mes miniatures. Facetune, j'adore pour blanchir les éléments parce que je sais pas si vous avez pu remarquer mais mon Instagram est blanc. VSCOcam, j'adore, je vais vous montrer pourquoi j'aime bien. Je visualise mon fil Instagram pour voir comment ça donne. Et alors ici tu peux voir que c'est un peu dans les mêmes tons. J'utilise... vite fait pour info, pour ceux qui me demandent souvent, j'utilise comme filtre, j'utilise le T1 et je le mets à 5% environ. Et puis après, je vais dans les réglages et je mets un peu de luminosité, etc. Et c'est fait. Voilà, c'est une de mes plus grandes applications pour mes photos Instagram. Ensuite, PicsArt, c'est pour faire mes modifiages YouTube. Layout, c'est pour Instagram. Afterlight, j'aime aussi beaucoup, mais c'est payant, malheureusement. Donc, par exemple, tu prends une photo. Attends, est-ce que... Pas vraiment de photo en mode belle. Tu prends une photo. Et c'est un peu comme VSCOcam, sauf que c'est un peu différent. Genre, tu peux modifier les arrière-tons, par exemple. Si tu prends les highlight tones, tu peux choisir si tu veux les mettre en rouge ou en bleu ou en vert, tu vois. Enfin, bref, c'est à peu près pareil que VSCOcam. Ensuite Boomerang, tout le monde connaît. Brillard, c'est une application pour faire briller. Attendez, je vais tourner l'appareil. Hello. Je voyais ça brille. Ensuite j'ai Square Ready, c'est surtout quand je mets dans mes, comment dire, dans mes Insta Stories pour que ça recadre bien, mais maintenant il n'y a plus besoin de ça. Ensuite ici j'ai tout ce qui est pour YouTube, donc YouTube Studio, AdSense et Gmail. Donc c'est là que je modifie mes miniatures et tout par téléphone. Ici nous avons Autre, donc c'est tout ce qu'on s'en fout en fait. C'est les choses vraiment pas importantes. Bah, c'est pour l'écriture quand j'écris des trucs. Ici, c'est les choses... je savais pas où les classer, donc je les ai mis là. Oui, transfert pour les photos, etc. Carte du ciel, c'est un truc que j'aime beaucoup sur iPhone. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous bougez votre iPhone, ils vont vous montrer toutes les constellations, etc. Je trouve ça vraiment trop intéressant. Et tous les jours, ils vous envoient une notification avec un fait. Ensuite, T0, c'est pour mettre des décomptes. Donc l'île de Ré, par exemple, c'est dans 94 jours. Ensuite, ici, nous avons... shopping entre guillemets, c'est les deux applications où je vais juste quand je veux commander à manger et quand je veux commander des trucs Apple. Musique, j'ai SoundCloud et Spotify et j'ai encore ça, mais ça il faut internet pour écouter la musique, ça me saoule. Plan, et puis après ici j'ai tout ce qui est voyage,
Donc ImmoWeb, je sais pas pourquoi j'ai ça. Trivago, Thalys et Airbnb. Twitter. Je vais moins souvent qu'avant dessus, mais je kiffe toujours autant. Voilà, c'est mon Twitter, c'est baissé par en dessous icon. Ici, j'ai tout ce qui est pour garder les photos. Holy Bible. Et alors ici, j'ai mon dossier préféré, là où je fais du shopping tout le temps. Donc j'ai Urban Outfitters, Asos, Amazon, Boozy Shop, j'adore ce site entre parenthèses, Ikea, MediaMarkt, Zafool, AliExpress, Twinkle Deals, PayPal et Rosegal. Alors, Twinkle Deals, Zafool et Rosegal, vous pouvez trouver des vêtements vraiment pour pas cher et vraiment super bonne qualité. Un dossier pour le foot parce que je suis une accro au foot et que c'est bientôt la Coupe du Monde, donc on se prépare. Itch, c'est si vous habitez en Belgique, je sais pas si en France, mais c'est une société de taxi qui coûte vraiment pas cher et qui vient vous chercher devant chez vous, donc je vous le conseille si vous en avez besoin. Ensuite, Square Ready Video, c'est la même chose, c'est pour mettre du blanc autour de la vidéo, ben voilà, c'est tout. Ensuite ici c'est pour mon sport et ma santé, donc LifeSum, c'est une application dont je vais beaucoup vous parler dans ma vidéo qui va venir sur mon régime. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo qui va vous aider à perdre beaucoup de poids, moi ça m'a aidé beaucoup beaucoup. Parce qu'en fait, vous avez votre nombre de calories ici. Et alors, si vous ajoutez par exemple votre petit déjeuner, votre dîner, votre encas, et si vous avez fait du sport. Alors pourquoi j'adore cette application-là? Parce que quand vous scannez le produit que vous mangez, il vous dit direct le nombre de calories. Il vous dit en combien de temps vous voulez perdre, etc. Par exemple, moi aujourd'hui j'ai bu 2 verres d'eau, donc je vais le mettre. Et c'est vraiment trop génial, c'est gratuit. Et c'est super chouette, c'est pas du tout un partenariat ou je suis pas du tout sponsorisée pour parler de ça, mais j'adore cette application là, ça m'a beaucoup aidé dans mon régime. Pump Up, c'est une application que j'utilise quand je fais du sport à la maison. Tout simplement parce que je trouve qu'ils font des super parcours pour faire chez toi, avec ou sans équipement, et moi j'adore. Donc voilà. J'adore par exemple ce type pour voir quand les bus arrivent, les nouvelles, et ça c'est pour par exemple si tu veux faire... si tu cherches un restaurant dans le coin spécial, tu cliques là-dessus, tu mets ton restaurant et te dis où c'est. Et Kinépolis. Ensuite, Follower Plus, c'est pour voir qui se désabonne à toi, parce que moi je suis une obsédée. Voilà, donc je regarde qui se désabonne à moi, qui me bloque, qui, je sais pas moi, un des bêtes trucs, tu vois. Alors maintenant je suis une grande obsédée de jeux, faut le savoir, donc je suis à fond dans les jeux. J'adore Fruit Ninja, je pense que tout le monde connaît, Candy Crush, 8 Pool, c'est du billard, Matchington Mansion, j'adore, Homescapes, Gardenscapes, Les Sims, Cooking Crazy, Harry Potter, j'adore les gars. Franchement, si vous êtes fan d'Harry Potter, je vous conseille vivement d'aller tester cette application, elle est trop trop bien. J'aime beaucoup en tout cas, et voilà, je la trouve trop cool. Bref. Et alors Matchington, Gardenscape, c'est vraiment des jeux d'arcade où tu dois jouer pour gagner, construire ta maison, je trouve ça cool. Ma dernière application ici, c'est Stockard, c'est là où je mets mes cartes de fidélité du Carrefour, Pumki, Sephora, bref, tout ça quoi. Alors en dessous, t'as YouTube, t'as Instagram, Snapchat et messages. Alors mon Instagram, si vous ne le savez pas encore, c'est Dust of Wolfie, donc si vous avez envie de me follow, go check it out. Et mon Snapchat, BSC par en dessous, icon. Je poste souvent des stories de ma vie quotidienne dans les amis. Regardez, là j'ai vu les gens de Voice, c'était trop cool. So yes. Et je lis tous vos messages sans exception, je réponds à tout le monde. Et alors ça c'est la deuxième coque que je trouve tout aussi jolie. J'adore les détails. J'adore les détails de cette coque, elle est vraiment trop trop jolie. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Succès les icônes.